Bonjour à tous. Pour faire un peu de caca pigeon à la maison, nous allons avoir besoin de la farine de blé, du beurre ramolli, de l'eau, un verre doseur, du piment de Cayenne et du poivre. Les deux sont facultatifs, c'est vraiment pour pimenter le caca pigeon si on veut faire en apéro ou autre. De la levure chimique et un peu de sel. Nous allons avoir besoin aussi de l'appareil à pâte pour aplatir la pâte et les découper. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser le rouleau à pâtisserie et le découper ensuite. Nous allons donc commencer par faire le mélange de tous les ingrédients. Je vais faire un petit trou au milieu pour mettre les ingrédients. J'ai fondu le beurre pour que ça se mélange mieux. La moitié du levure. Piment de Cayenne, j'en mets juste un peu, le poivre, c'est donc petit à petit l'eau. Il faut faire très attention de ne pas trop en mettre parce qu'il faut que la pâte soit bien compacte. Alors j'ai aplati un petit peu la pâte d'à peu près cette taille là et je vais commencer à le découper avec la machine que je vais mettre un petit peu de farine pour pas que ça colle. J'ai donc fini de faire le petit découpe, ça fait ça avec l'appareil. Et puis avec le couteau, à peu près cette taille-là, je coupe. Quand l'huile elle est bien chaude, je vais verser mes caca pigeons pour la cuisson. Il faudra rester dessus parce que ça cuit tellement vite. Voilà des caca pigeons, c'est maison, que j'ai parsemé de raisins.